Iparades o shovaides ite. Ikarabain de lebos o. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, peuple glorieux. La grâce, la miséricorde, la compassion de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Nous sommes mercredi le 19 juillet et dans la prière prophétique, nous avons cette recommandation, vaincre la sorcellerie familiale. Vaincre la sorcellerie familiale. C'est une réalité. C'est une réalité, cette affaire de sorcellerie. Alors ne me dis pas que dans ta famille, il n'y a pas la sorcellerie. Lorsqu'on parle de la sorcellerie, on parle de toute manigance provenant du monde des ténèbres contre ton évolution. Alors, si tu as remarqué un blocage quelconque, tu as remarqué une situation bizarre quelconque, comprends que c'est de ça qu'il s'agit. J'ai souvent l'habitude de dire, la pauvreté n'est pas juste pour ceux qui ne travaillent pas. Non, il y a des personnes qui travaillent dur, mais qui ne jouissent pas de leur travail. Ça peut être le travail de la sorcellerie. Et lorsqu'on précise la sorcellerie familiale, parce que généralement, la sorcellerie n'est pas loin de soi. C'est juste dans son entourage, c'est juste dans sa famille. Des personnes qui ne veulent pas te voir évoluer. Je suis le pasteur Glody Ofété, comme la page l'indique, certainement. Si c'est la première fois, s'il vous plaît, veuillez vous abonner directement. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Là, comme ça, vous n'allez plus rater à chaque fois que nous allons publier une prière. Nous sommes ici pour prier parce que Jésus a dit que les hommes doivent toujours prier. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. La parole de Dieu dit « Priez sans cesse ». Et je le dis souvent, et Jacques a dit « Encore celui qui souffre ». Il met l'emphase. Celui qui souffre doit prier. Le remède de la souffrance, c'est la prière. Quand tu souffres, il faut prier davantage. Et heureusement pour les deux premiers versets, c'est-à-dire Luc 18 et Thessaloniciens 5, 17, ça nous révèle que la prière n'est pas juste pour la souffrance. Mais Jacques a précisé, celui qui souffre doit prier davantage. Il doit prier davantage. Alors vous êtes la bienvenue si c'est la première fois. Comme d'habitude, écrivez première fois parce que bientôt, par la grâce de Dieu, tous ceux-là qui viennent pour la première fois, nous sommes en train de préparer des petits cadeaux pour vous. Donc écrivez nouveau, écrivez nouvelle. Nous allons organiser comment mieux vous accueillir avec des petits cadeaux. Donc il est important, écrivez nouveau, écrivez nouvelle, écrivez votre pays. Et si possible, également votre ville. Voilà, que Dieu vous bénisse. Lisons Luc 10, verset 19. La parole de Dieu dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Voici, je vous ai donné, voici. J'aime beaucoup la parole. On dit voici. C'est pas un futur, c'est pas un avenir, mais c'est maintenant. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Voici, je vous ai donné. Je vous ai donné. Le pouvoir est un don. Le pouvoir est un don. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Wow. Et rien ne pourra vous nuire. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ésaïe 49, versets 25 à 26. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Waouh.
Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le Puissant de Jacob. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Avec cette compréhension des Écritures, avec cette compréhension de la parole, répète directement après moi. Tu dis: Seigneur, merci. Merci de m'avoir accordé le pouvoir. Merci de m'avoir accordé le pouvoir. Le pouvoir de marcher sur les esprits de totem. J'ai le pouvoir de marcher sur les esprits de totem. J'ai ce pouvoir au nom de Jésus-Christ. J'ai ce pouvoir au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ce pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Fais cette prière au nom puissant de Jésus-Christ. Toute force négative menaçant mon épanouissement, mes projets, mon voyage, ça peut être toujours projet de voyage, ma carrière professionnelle, mon parcours, soit vaincu maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute force négative menaçant mon épanouissement familial, mon projet de mariage peut-être, projet de voyage, carrière professionnelle, candidature aux prochaines élections, oui, peut-être, soit vaincu maintenant, soit vaincu maintenant. Élève la voix, commence à détruire directement, commence à détruire toute force négative qui menace ton épanouissement. Nous sommes en prière au nom puissant de Jésus-Christ. Toute force négative menaçant mon épanouissement personnel, toute force négative menaçant ma vie, qu'elle soit détruite, raboche avai. Que paros ofe cariazes eter. Me corrodos avane le cachapaides eter. Le capalabaides eter. Rousope les fausses ater. Toute force négative menaçant ma famille. Toute force négative menaçant mes projets. Menaçant depuis des années. Nous vivons des situations compliquées, des situations bizarres dans la maison. Que cette force soit détruite maintenant. Que cette force soit détruite au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Levos amparaba et lekeshadabai. Lekozu parabos entaravos ade. Seka paliade. Lozo opalevos et. Toute force négative menaçant mon avenir, menaçant mes projets, menaçant mon ministère, que cette force soit détruite au nom de Jésus-Christ. La force qui bloque tes projets, la force négative qui bloque la réalisation de tes projets. Tu as des projets, mais tout semble bloqué, que cette force soit détruite maintenant. Que cette force soit détruite maintenant. Force de blocage, force de la maladie, qu'elle soit détruite maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'elle soit détruite maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Levos antarabashade, likozo parabaites ete. Toute force négative menaçant mes projets, toute force négative menaçant mes finances. C'est-à-dire, j'aime toujours préciser ce phénomène. Tu travailles dur.
tu travailles dur, mais tu n'as pas le résultat satisfaisant de ton travail. Menace cet esprit. Menace cet esprit, toute force négative qui annule mes efforts, toute force négative qui annule mes efforts, toute force négative qui annule mes efforts, soit détruite au nom de Jésus-Christ, soit détruite au nom puissant de Jésus, soit détruite, l'ébauche avant tes caparadas. Roko palevos ate, melodos uparadas sate, pelokos uparadesh efala nazer, rabako sofali keteliapai, iparodos otos ete, au nom de Jésus Christ. Tout pouvoir négatif menace mes réalisations, qu'elles soient détruites au nom puissant de Jésus Christ. Nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Fais cette prière après moi. Tonnerre des quatre vents. Ça, ce sont des prières très engagées. Tonnerre des quatre vents. Localise et démonte tout siège de sorcellerie dans mon ménage. Tonnerre des quatre vents. Ça veut dire simplement, tu appelles, n'est-ce pas, ce vent violent qui va déstabiliser, qui déstabilise toute sorcellerie qui menace ton ménage, toute sorcellerie qui menace tes enfants, toute sorcellerie qui menace l'avenir de tes enfants. Tu dis, tonnerre des quatre vents, localise et démonte tout siège de sorcellerie dans mon ménage, dans mon entreprise, dans mes projets. Tonnerre des quatre vents, vent violent, lève-toi, localise et démonte, partout là ils font des réunions, que cela soit démonté, élève la voix, partout là ils font des réunions, que cela soit démonté, partout là ils ont fait des hôtels, que ces hôtels soient démontés, détruits, renversés au nom puissant de Jésus-Christ. Tonnerre des quatre vents, localise au nom puissant de Jésus-Christ. Localise au nom puissant de Jésus-Christ. Localise au nom puissant de Jésus-Christ. Arose et farada shade. Kavante et karades et shade lebo. Jovara kazu et fale keteliamande. Lozo oparabas et farakaze. Likozu ofaranai. Tonnerre des quatre vents. Localise, démonte tout siège de sorcellerie dans ma famille. Que cela soit délogé, que cela soit démonté au nom de Jésus. Ils ne feront pas leur sorcellerie là où je suis. Ils ne réussiront pas leur projet là où je me tiens au nom puissant de Jésus-Christ. Tu répètes après moi. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Les totems de serpents, les totems de scorpions, les totems de sirènes, les totems de guépards, les totems des éléphants, des tortues sont vaincus au nom puissant de Jésus-Christ. Sont vaincus au nom puissant de Jésus. Sont vaincus au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. J'ai vaincu la sorcellerie. La sorcellerie est vaincue au nom de Jésus. La sorcellerie est vaincue au nom puissant de Jésus-Christ. La sorcellerie est vaincue au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis plus que vainqueur. 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 Mais je veux que tu le dises. Lorsque tu dis, je suis, ça c'est une parole. La Bible dit dans Romains 8, mais dans tout ceci, nous sommes plus que vainqueurs. À chaque fois que tu redis des vérités pareilles,
ça entre dans ton esprit. Sache que la sorcellerie n'aura pas de pouvoir sur toi. La sorcellerie n'aura pas de pouvoir sur tes enfants. Parce que tu le redis. Tu le crois. Je suis plus que vainqueur. C'est simple. C'est simple comme affirmation. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus-Christ. Je suis plus que vainqueur. Je marche sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Peu importe leur réalité, peu importe leurs agissements, je suis plus que vainqueur. Dans tout ceci, je suis plus que vainqueur. Je veux réaliser mes projets. Mes enfants vont avancer. Mes enfants vont avancer. Ils vont réussir dans leurs projets au nom de Jésus-Christ. Ce mariage sera réalisé au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai vaincu les blocages financiers. J'ai vaincu les blocages professionnels. La victoire est mon partage. La victoire, le succès est mon partage. La victoire, le succès est mon partage. La domination est mon partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je marche tête haute parce que je suis vainqueur. Plus que vainqueur, au nom de Jésus, la grâce, l'onction, la puissance me sont données. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir m'a été donné. Le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Je suis plus que vainqueur, au nom de Jésus-Christ. La lecture de la Bible en une année, tu vas lire Actes 26, versets 2 à 18, Psaume 17, 18. La Bible en deux ans, tu vas lire Luc 9, versets 37 à 48, et Josué 15. Voilà. Mon numéro pour des appels, c'est le plus 243 84 06 84 575. Que Dieu vous bénisse. Rassurez-vous de partager. Rassurez-vous de partager. Partagez massivement. Que Dieu vous bénisse. Amen.